Aujourd'hui, je vais direction Bruges. On m'a conseillé cet endroit à l'Auberge de Jeunesse. On m'a dit que c'était hyper mignon, que c'était le petit Venise. À ce moment-là, j'étais pas du tout dans ma zone de confort. Je devais prendre un train dans une ville que je connais pas. Et ça, c'est compliqué déjà. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Il va bien à Bruges. Bruges, c'est pas ici. Il va à Bruges, mais il fait vraiment tout le tour, donc vaut mieux prendre le direct. D'accord. Et ça se dit Bruges, c'est ça? Bruges. Ok, ok. Bon, le prochain est à 10h45. Ah oui, donc c'est bientôt. Donc c'est ici, quoi. Je suis au bon endroit. C'est ça. Ok. Donc, il va arriver et ce sera le direct. Mais ce sera plus rapide, quoi. Oui. Ok, merci beaucoup. Ici à gauche, encore une fois, un très bel exemple des maisons escaliers. Et juste à côté, un très très bel exemple comment il faut partir dans le centre-ville de Bruges. So here on the left again, a very nice example of the typical staple houses. And then right next door, a very nice example how not to build your house in the historic city center. Le mur à gauche, vous allez voir la plus petite fenêtre de Bruges. C'était une petite fenêtre pour espionner sur les gens et les bateaux qui passaient ici dans le temps. So here on the wall to your left, you can see the smallest Gothic window in the city, used to spy on the boats and the people passing by. Donc ici à gauche, la plus petite fenêtre de Bruges. Comme vous avez pu voir dans les images, Bruges est une ville avec beaucoup de charme. Des maisons avec leurs toits escaliers, des routes en pavé. C'est une ambiance très médiévale et j'adore, on sent l'authenticité de cette ville.
Elle est vraiment petite, mais très mignonne à visiter. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est le bateau sur les canaux. C'est tellement beau et tellement reposant. Et on a plein d'explications sur la ville. Et pour conclure, je suis vraiment contente d'avoir visité cette ville. J'ai vraiment apprécié et je recommande de vraiment faire cette ville. C'est à une heure de Bruxelles, donc c'est très agréable à faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.